Amis téléspectateurs, gros bonjour pour nous tous. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Ça. Mes principales informations, on a bien pour nous développer dans le journal là. Président République, Jovenel Moïse, fait une visite supervision à Jeudia dans Sonapi. Chef l'État annoncé à partir de Jeudia, gagnant l'autre chita palais gouvernement accepté concerné, pour entamer pour réfléchir sur un plus bon dossier salaire minimum. Non. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix, mettez bout jeudi 15 mars là, admission li sous situation générale PIA et spécialement climat la paix. Hein. Pendant visite ça, monsieur Lacroix chita parler à président République la Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. Ministre Affaires étrangères Akitla Antonio Rodrigue et ministre haïtien qui vivent l'autre bord de l'Oyo Stéphanie Auguste prononcé yo sous situation qui a développé dans niveau pédernal à Kansapitre entre haïtiens et dominicains. Autorité haïtien yo en communication constante avec autorité dominicain yo pour garantir sécurité, protéger, respecter droits compatriotes haïtiens d'après ça au fait qu'on est. L'autre information dirigeant compagnie téléphone Natcom yo remet by l'état haïtien yon chèque 79 millions 200 000 goudes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeants compagnies de dresser bilan financier pendant dernière année ça. Restez branchés, information ça va quand pilote a développé après pause là. Merci pour fidélité ou attention, bienvenue dans développement journal là. Président République la Jovenel Moïse fait une visite inspection jeudi 15 mars là dans Société Nationale Parc Industriel Sonapi. Visite sa rentrée dans le cadre d'un projet agrandissement Parc Industriel Métropolitain. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay dans un reportage. Pour Koulia, c'est première phase projet agrandissement Parc Industriel Métropolitain qui est en cours. L'état doit finir dans le mois de juin cap vini là. Première phase là gen la donne construction 6 bâtiments parmi eux 2 factories. 1.9 km route ak service de base yo. Construction compagnie ANSE ak compagnie Wilbesio avancé à environ 49%. Responsable bay garantie délai pour finir chantier a respecté. Le travail accompli au niveau du projet depuis qu'elle en assure la gestion quotidienne et d'exprimer les appuis concrets lui permettant de le mener à terme dans le meilleur des délais. L'état d'avancement des travaux qui est passé de moins de 10% au moment de notre prise en charge à plus de 45%. Dans un délai de 2 mois environ, et si nous obtenons le plein support de tous les acteurs institutionnels impliqués, d'ici le mois de mai prochain, au moins un ou deux bâtiments seront opérationnels. Président Jovenel Moïse a accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec plusieurs officiels gouvernement visiter chantier de compagnie Yo, ANSE et Wilbes, qui vient installer dans Sonapi. Chef l'État a encouragé tout haïtien à contribuer dans une image positive de PIA pour businessman qui vient investir en Haïti. Je ne sais pas si c'est plus gros qui est dans le pays parce que je ne sais pas tout l'autre. Mais ça, là, dans là, mesurer 13 000 mètres carrés, ça veut dire que c'est un carotte plus 100 mètres carrés. Parce que nous avons un carotte, c'est 12 900 mètres carrés. C'est un carotte plus 100 mètres carrés et c'est ça, c'est un hectare plus 3 000 mètres carrés. Que nous avons dans là, qui pourra le couvrir un seul coup pour nous créer des jobs dans le pays. Moi, je veux tout le monde qui a regardé, qui a attendu mieux. Pour comprendre que pas un pays sur la terre qui a parlé de développement là-dedans si pas une création d'emplois. Moi, je connais un pile haïtien parfois qui parlait de qualité d'emploi. Mais j'aime toujours dire par une génération spontanée. Si nous avons besoin d'un pays meilleur dans 25 ans, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Dans le côté de nous et dans son appui, nous voulons parler du secteur textile là. Son passage obligé que le pays aujourd'hui. Avec volume de jeunes que nous avons. Les gens qui ont des formations, nous connaissons ça, qui ne permettent pas que nous jouions des emplois qui allaient dans l'autre niveau. En attendant, les gens qui ont travaillé pour eux. C'est pour ça aujourd'hui, nous-mêmes, depuis l'heure où nous avons commencé, arrivé jusqu'à moi, mars 2018, là, nous camper derrière le secteur textile là. Pour nous profiter de loi Help Hope que les États-Unis ben nous, qui permettent que nous exporter aux États-Unis sans droit de douane. Ça veut dire que leur entreprise vient dans le pays, ils décident pour créer 10 000 emplois, nous-mêmes, c'est tapis rouge pour nous, pour les poulies. Le gros objectif projet ça,
c'est rivé développer capacité Sonapi dans question infrastructure. C'est attirer un maximum investisseurs dans l'industrie textile là et puis créer environ 10 000 nouveaux jobs avant fin année 2019 là. Parc industriel métropolitain présent dans 6 zones, li dans commune Carrefour, dans centre-ville, dans commune Tabar, Delma, Pétionville et Croix des Bouquets. Merci Sabine ak Jean-Naël. Dossier salaire minimum l'an relancé jeudi 15 mars là après visite président public la Jovenel Moïse dans Sonapi. Chef l'État annoncé à partir journée jeudi a gagné l'autre chita palais gouvernement à caractère concerné au pral entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion sous dossier salaire minimum là. Président public la Jovenel Moïse a expliqué. Ou même syndicat cap garder cap tendre là. Membres syndicaux, m'a dit nous que c'est ensemble pour nous collaborer. Ministre Affaires sociales là qui là, directeur général Sonapi, ministre commerce qui là, premier ministre, moi-même qui président, directeur Fatma, tout le monde ensemble, c'est pour nous arriver chita parler, pour nous toujours joindre un bon terrain d'entente pour permettre et ouvrir au content et syndicats jouer rôle et l'État haïtien protéger. Force travail ouvrir. Mais c'est pas dans hing. Dans goumen on a clôt. Dans vini pour craser, briser. Dans vini pour laguer factory chaque jour. Parce que ça paye à boucaclé. Image chaque semaine son grève à droite, son grève à gauche là. Haïti pas mérité ça encore. Côté nous rivé aujourd'hui, nous besoin on pays côté pour attitude moun k'ap travail dans l'état. Attitude moun k'ap travail dans secteur privé. Faut attitude yo changer. Le gros problème, on met tête ensemble. Gon affaire qui toujours parler chaque année. Za fait salaire minimum. On prend responsabilité comme président pour me parler de ça aujourd'hui. C'est pas salaire minimum qui pour venir faire toute factory dans pays écrasé. Non, c'est pour syndicat chita avec ministère affaires sociales qui gagne conseil supérieur salaire pour nous chita depuis dans mois mars là. Syndicat, conseil supérieur salaire, patron pour nous joindre une solution, pour nous pas obliger à l'encraser brisé. Parce que l'heure nous encraser brisé, il y aurait ça instabilité. Et instabilité, ça le pote pour misère. Si nous besoin d'un pays pour nous mettre le sous route de changement tout bon voyage, c'est la stabilité politique, c'est ça pour nous créer. Qui j'aime te dire dans la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. L'autre dossier dans le journal là, yon commission interministérielle qui gagne la dan ministre intérieur collectivité territoriale la Max Rodolphe Saint-Albin, ministre justice et sécurité publique la Edi Fortuné, ministre jeunesse sport et action civique la Régine Lamure, et puis ministre haïtien qui vive à l'étranger Stéphanie Auguste rencontré élu local commune en Sapit jeudi 15 mars là. Dans le cadre de Chita Palessa, différentes autorités ont discuté sur ensemble mais l'État doit prendre pour encadrer les ressortissants haïtiens qui ont quitté la République dominicaine à cause de persécution. Nous invitons à suivre un extrait. Nous là, dans une délégation, pour nous venir tenter comprendre ce qui a passé là dans Sapit. Évidemment, nous, tant que tout le monde, le gouvernement tendait tout ce qui s'est passé. Je dis à deux approche. Premièrement, nous venons sur le plan humanitaire. Nous avons des frères, des sœurs, des haïtiens, haïtiennes qui sont en difficulté. Nous venons garder et comment au mieux nous sommes capables d'appuyer. C'est ça que nous venons garder là. Et c'est ça, ministre des Affaires sociales, ce dit là. C'est ça, ONM, engagement ça, l'administration Moïse Lafontaine, c'est engagement ça que nous venons prendre là aujourd'hui. Et d'autre part, et c'est là qui me dit qui est plus important, sur le plan diplomatique, côté ministre Affaires étrangères, là, ministre AIA, a travaillé avec autorité dominicaine pour le plus vite possible, pour la sérénité rétablie, pour que tous deux peuples apprennent à vivre en frères et sœurs, tant que Jean Sakonye. Sur le plan juridique, il y a des dispositions qui prennent tout et me garantit que droit haïtien que ou vivre en Haïti, que ou vivre en terre étrangère doit à respecter. Donc c'est message ça que nous dégagne nan non chef gouvernement, nan non président république là, c'est mission ça que nous dégagne pour nous devine garder aujourd'hui en Sapit.
Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mettait bout jeudi 15 mars là admission li sous situation générale PIA et spécialement climat la paix. Pendant visite ça monsieur Lacroix chita parlé avec président République la Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. C'était occasion tout pour secrétaire général adjoint féliciter président République là pour travail la réaliser surtout à travers caravane changement. Un extrait dans le micro Esaïe Aurelius. Les Nations Unies sont déterminées à continuer à travailler avec le gouvernement haïtien pour consolider ses acquis et soutenir les avancées futures du pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. J'ai réitéré auprès de Son Excellence Monsieur le Président Moïse l'esprit de solidarité qui guide les Nations Unies à l'égard de Haïti, membre fondateur de l'organisation. La MINUSUST et l'équipe pays des Nations Unies sont engagées à soutenir les efforts et les priorités du gouvernement. Ma visite a été l'occasion d'approfondir le dialogue avec le gouvernement et de promouvoir une cohérence renforcée dans l'action des Nations Unies en soutien à la mise en œuvre de ces priorités. Nous avons souligné l'importance qui s'attache à travailler conjointement à la préparation de la transition de la MINUSUST vers une forme de coopération autre qu'une opération de maintien de la paix, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Les Nations Unies saluent la détermination du président de la République de Haïti à améliorer la vie quotidienne des Haïtiens à travers le projet Caravane du changement et soulignent l'impact positif que la mise en œuvre des priorités définies dans ce projet peut avoir sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, de l'agriculture, de l'électricité, de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne la lutte contre le choléra, j'ai réitéré l'engagement personnel du secrétaire général des Nations Unies en appui aux efforts déployés pour mettre fin à ce fléau. À cette fin, le secrétaire général et son envoyé spécial, Mme Josette Sheeran, ont mobilisé des acteurs du secteur privé particulièrement engagés dans le domaine des finances, de la santé et de la technologie pour soutenir le gouvernement et le peuple haïtien, associer leurs efforts à l'ambitieux programme global de développement d'Haïti et contribuer à attirer les investissements dans ce pays. Nous avons par ailleurs souligné lors de nos entretiens la nécessité du renforcement des institutions dans le domaine de l'état de droit et des droits de l'homme qui constitue une base indispensable pour la poursuite du développement. Nous sommes convenus de poursuivre une coopération étroite sur toutes ces questions. Responsable solidarité active pour bataille consommateur haïtien Salcon, clôturé jeudi 15 mars là, deuxième journée colloque international sur problème consommation dans le pays. Dans l'occasion, plusieurs personnalités dirigeaient différents ateliers pendant deuxième journée. Parmi eux, ambassadeur Haïti dans CARICOM, Peterson Noël Benjamin, et directrice normalisation, Michel Poltre. Porte-parole Salcon Ivner Foster Joseph a annoncé une campagne sensibilisation dans quelques écoles pour élèves 3e et 2e rivé dans philo qui visait à prendre plus sous droit consommation. Suivons bout dans déclaration. On a lancé formation dans les écoles. C'est un programme que nous fait côté nous allons en classe 3e, 2e et 3e philo tous les vendredis pour nous passer dans l'école pour nous gagner minimum 15 à 30 minutes pour nous parler à Timounio, pour nous montrer aux nécessité pour un comportement responsable. Ces mêmes gens, nous sommes pays à risque en termes sismiques, en termes catastrophes naturelles, t'es doué en dans l'école, en dans l'université, en dans l'église, en dans un foyer, pour y parler Timounio de ça, pour automatiquement qu'on problème qui arrive, pour Timounio qu'on comportement responsable. Ça rapidement population en cas. Attendre et aider nous faire, c'est chaque fois qu'il a acheté un côté. Depuis son côté qui formel, ça veut dire qui ça? Depuis c'est pas un d'un marché ou entre côté de marché, on n'a pas de facture pour le bas ou, faut commander reçu. Mander facture, tout ça ou acheter dans le pays. Si mon nando ou paye TCA, faut qu'il y affiche sous reçu. Quelle qu'en soit la façon. Pour qui ça? C'est parce que vous avez besoin de facture ça pour leur faire déclaration définitive d'impôt ou pour prendre tout reçu ça, toute facture ça pour 10 DGI, mes dépenses moins par mois ou bien par année. Donc, leur demande de me payer X dans la déclaration définitive d'impôt, sauf fait de
dépenses ça yo. Donc DGI a déduit yo, la retiré yo la donne, il permet tout payer pipiti là faire déclaration définitive d'impôt. Ça son comportement responsable pour n'importe qui consommateur parce que nous pas gagne. Donc coloc là premier bagaille li attend ouais citoyen ou consommateur yo qu'on y a exigé facture. Deuxième bagaille c'est encourager consommateur yo pour yo garder ça à acheter. Même si ou pas un expert pour ta ka ouais ingrédients ou météo il y a bien tel effet mais par contre ou ka garder si produit a expiré pas ni acheter son bagage ça. Ou capable tout garder si ou diabétique quantité sucre qui dans tel produit. Quantité sel qui dans tel produit si ou hypertendu. L'autre information dans le journal ça collectif défenseur plus dans tête collée avec organisation citoyen pour une nouvelle Haïti CNH avec action universelle droit et liberté lancée jeudi 15 mars 2018 là ils ont plaidoyer pour renforcer système l'état civil haïtien. Projet ça visé informer et sensibiliser population sur importance avec des naissances gagnées dans ça qui gagne à ouais avec droit l'identité. Suivez un extrait dans déclaration Antonal Mortimer. Une série de violations de droits humains qui découlaient des problèmes d'identité ou encore problèmes d'état civil dans le pays. Il ne faut pas oublier la question des documents d'identité sont droits. Et ça fait partie des droits civils et politiques. Ça veut dire droits humains de la première génération. Et les gens qui n'ont pas de possibilité de jouer droit à l'identité, il est difficile pour ce qu'il est libre. Donc, il y a une série de droits et libertés qui réduit. Et les ou pas juif doit ça, qui garantit pas constitution, code civil haïtien, qui garantit pas la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, donc automatiquement, ou dans une situation, on pas qu'à juif l'autre droit. Moun qui pas gain identité, pas qu'à gain accès à la santé, pas qu'à gain accès à l'éducation, pas qu'à gain accès à logement social, et le pas qu'à participer tout dans la vie publique et politique pays. Question droit à la participation, il n'y a pas qu'à jouer ça. Droit politique, il n'y a pas qu'à électeur, il n'y a pas qu'à candidat, il n'y a pas qu'à mandataire, il n'y a pas qu'à même observateur actif dans la question élection ou bien l'autre mouvement politique. Donc nous-mêmes, nous croyons qu'on sait des problèmes politiques, qu'on sait des conflits, qu'on sait des problèmes qu'il y a avec migration, qu'il y a avec violence policière, qu'il y a avec qu'on sait des temps proches des tensions, il y a sorti justement des problèmes identitaires de la pays. Et dans ce sens, nous pensons pour l'État même régler la question de migration irrégulière qui vient, je dis, vers la République dominicaine, vers les pays de la Caraïbe, vers les pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il faut que nous résoudions le problème d'identité. Parce qu'il faut identifier qui moun ou gagne pour capable prendre défense moun sa. Dirigeant compagnie téléphone Natcom yo remet bay l'état haïtien yon chèque 79 millions 200 000 gouttes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeant compagnie te dresser bilan financier pendant dernière année ça. Kouad Dyson, vice-président, félicité collaboration population avec l'état haïtien. Gouverneur Banque Centrale là, Jean-Badin Dubois, vanté Géfonat comme fait pour porter support technologie et puis aide yo dans affaires sociales en dans pays a. Sous Bopal, Ronald Décembre, encourager population en fait compagnie en tout les affaires pa yo, yon façon pour aider le porter plus dans recette l'état. Nous invite au suivre. Chaque haïtien a intérêt à s'approprier de cette société mixte pour qu'elle puisse rapporter des dividendes à l'État haïtien et contribuer à l'augmentation des recettes fiscales. Aujourd'hui, la NATCOM veut aussi contribuer à doter le pays de cadres qualifiés. Ainsi, le Conseil d'administration a soutenu fermement et obtenu de Viettel l'octroi de 30 bourses d'études pour des formations d'ingénieurs à des jeunes haïtiens qui auront la possibilité de se spécialiser dans les domaines du génie et de la technologie dans les universités vietnamiennes internationales. La formation de ces étudiants dans les universités vietnamiennes doit aussi favoriser l'intégration haïtienne sur le plan technique dans l'entreprise. C'est une fois louable, mais aussi c'est la preuve
d'une grande transparence dans la gestion de l'entreprise. Vous savez que les coûts de production sont élevés dans le pays. Faire du business dans le pays nécessite une bonne gestion, une bonne appréhension des questions financières pour que l'on ait des résultats escomptés. Et c'est ce que vient de prouver la NATCOM aujourd'hui en dégageant cette dividende et en faveur de l'État. Commission permanente agriculture et sécurité alimentaire, Chambre députée a organisé une rencontre travail avec ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, la Carmel André Béliard, sous plusieurs problèmes secteur agricole là rencontré tant coup problème sécheresse, semences, de l'eau qui mangeait pour qui manquait pour les plantations d'irio, acrate cap détruit plantations paysan yo. Président commission agriculture et sécurité alimentaire, député Samuel d'Haïti, mandé ministre là pour résoudre divers problèmes secteur agricole la fait face et puis renforcer secteur ça. Député Samuel d'Haïti dans micro Moïse Wilbridge. Nous t'a parlé des problèmes que nous déjà en conférence de presse sous lui. Problème sécheresse qui t'a ravagé la vallée de l'Artibonite, problème rongeur qui t'a fini avec toute plantation paysanne dans pays, hein. Problème d'introduction de semences sans autorisation du ministère, problème de la campagne d'hiver. Problème et planification de la campagne de printemps et de même aussi problème de fertilisant, ça nous est les engrais. C'est point ça, ensemble de points ça que nous arrivons à soulever. Et là-dedans, inquiétude que nous avons par rapport à l'intervention ministre, là, nous espérons que, eh bien, dans le jour qui vient, il y a une solution qui va le porter. Nous concluons, le ministre conclut que, eh bien, il y a un appui et prise en considération qui va le faire. Au niveau de la vallée de l'Artibonite, pour planteurs qui perdent du jardin, il dit que bon mission, cap bien en tête le directeur général ministère, il va l'accompagner avec le directeur général de l'ODVA pour qu'ils font visite, pour qu'ils font évaluation, pour comment qu'ils sont capables de porter appui à tout planteur qui perdent du riz dans la vallée de l'Artibonite. Bon côté parle le ministre agriculture ressources naturelles et développement rural la Carmel André Béliard promet des mesures qui pral prend pour renforcer secteur agriculture. Et l'autre bord ministre agriculture a fait connaître une diligence qui pral fait pour accompagner paysan yo surtout dans moment sécheresse là et puis permettre yo bénéficier engrais et semences. Il y a extrait dans micro 5 croix paqui avec Moïse Wilbridge. Discussion est assez productive. Nous sommes conscients de une série de remarques que la commission fait. Nous répondons à toutes les questions. Bien question, nous acceptons les gens qui ont posé problème. Nous disons qu'il y a une exagération dans l'appréciation des résultats. Et nous faisons comprendre que le ministère n'est pas jamais absent. Il est toujours présent, même surtout au niveau de la vallée de l'Artibonite. Donc, il y a un problème assez important qui est posé encore, c'est la gestion de l'eau. Parce que nous connaissons la gestion fleuve Artibonite, là, les partager entre deux entités vraiment concernées. C'est l'ODVA qui représente le ministère de l'Agriculture, particulièrement pour l'encadrement, pour la régulation, la distribution de l'eau au niveau des parcelles des exploitants. Et nous avons EDH en amont qui a besoin de l'eau pour l'électricité. Donc c'est toujours en bataille entre production agricole et électricité. Donc nous expliquer tout problème ça vient tomber dans le cadre d'une saison qui est assez délicate. C'est la saison sèche qui gagne dans la vallée. Hein. Et que ODVA lui-même a confronté des problèmes de stockage d'eau au niveau du lac là. Donc on est ODVA sédimenté et lac Péligla sédimenté en pile, qui vient faire que M. Opa gagne assez de l'eau pour faire fonctionner tubini obligé Kimbil. Donc nous avons fait des promesses. Pour une promesse que nous faisons et que nous demandons collaboration commission, hein, c'est que nous pas attendre l'autre invitation encore. Le problème c'est aussi tellement délicat et urgent, nous demander accompagnement commission. Hein. Donc c'est ça qui fait que dès après rencontre ça, nous avons d'autres rencontres particulières que nous pouvons faire avec les différents membres de la commission pour accompagner nous dans le suivi toute résolution
que nous sommes point là, tant que régulation a fait de loi, bon l'autre bail sensible qui était touché là, c'est le problème des engrais. Nous faisons sortir avec une nouvelle stratégie ouais, pour que bénéficiaires et exploitants capables d'avoir accès beaucoup plus facile et à l'engrais subventionné. Nous pourrons le partager avec la commission tout pour faire des remarques. De même que nous demandons appui dans l'autre campagne qui parle vidéo, particulièrement campagne printemps, pour aider nous, surtout dans un budget, pour que nous soyons capables de joindre des ressources disponibles qu'il faut pour faire face à cette campagne. Un groupe député dans Chambasse a organisé une réunion de travail avec le ministre de la Santé publique et de la population, Marie-Greta Wa-Clément, avec le ministre de la Travaux publics, Fritz Kayo, et puis le directeur général d'INEPA, Guito Edouard, sous la population à consommer. Ancien président de la commission santé Chambasse, député Sinal Bertrand, des autorités concernées d'INEPA avec le ministère de la Santé publique pour chercher cause contamination de la population à consommer. Un extrait dans le micro 5 Kwapaki avec Moïse Wilwitch. Nous avons questionné trois ministres, plus DG d'INEPA, sous déclaration de Dominguez Brito, qui est ministre de l'Environnement de la République Dominicaine, qui a dit que 95% de la population a boit de la latrine. Nous avons, ça fait 5 mois de cela, nous avons invité d'INEPA à la santé publique, nous avons questionné. Sans ne pas connaître si le ministre de l'Environnement a fait une déclaration pareille au niveau mondial. Pour y avoir testé de l'eau, et bien je vous dis, nous attendons pour nous joindre, est-ce que c'est vrai que l'eau a boire de l'eau latine ou bien est-ce que ce n'est pas vrai? Jusqu'à présent, il n'y a pas gagné des informations. Nous avons 2-3 mois encore pour y aller tester de l'eau et puis pour venir éclaircir devant la population, est-ce que c'est de l'eau latrine qui a boire dans la zone métropolitaine non, ou pas? Et bien c'était questionnement ça où nous sommes venus. Nous tout annoncé ministre santé à nous pas questionner sur diphtérie si mon cap mouri nous pas questionner sur question déchets solides n'a parlé de dîner pas de TPTC nous pas questionner tout sur et si mon cap mouri est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec Gavi et est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec OPS OMS UNICEF pour nous garder, est-ce qu'il n'y a pas de vaccin pour empêcher Timounio de mourir? Parce que pentavalent, normal, nous connaissons l'important, mais Timounio pas cap mourir dans la diphtérie, son papa est deuxième dose qui allait directement dans la diphtérie. Ministre Santé publique et population, Marie-Greta Wa-Clément, expliqué qu'il y a des démarches plus institutions qui travaillent dans la question assainissement pour le faire pour connaître si vraiment 80% de la population haïtienne a consommé de l'eau qui est contaminée. Ministre Santé publique là, qui dit plus loin, il n'y a pas qu'à joindre un cas qui t'a montré qu'il y a de l'eau population a consommé qui est contaminée. Nous invitons à suivre un bout dans l'explication. Il y a un problème de l'eau, effectivement, surtout en milieu rural. En plus, le monde n'a pas accès à de l'eau potable. Il y a un problème de l'eau, effectivement. Même pas dire que 95% de l'eau dans le monde qui consomme de l'eau, c'est de l'eau souillée que vous consommez. Sinon, nous connaissons que de l'eau qui n'a pas de bonne qualité a un pile impact sur la santé. Et un impact que vous avez, ce sont les diarrhées aqueuses, par exemple. Et nous connaissons qu'en Haïti, chiffre ben nous que diarrhée, c'est la 6e cause de morbidité. Donc ça veut dire que ce n'est pas totalement vrai que 95% de monde consomme de l'eau dans le puits. De l'eau qui souillée. Sinon, nous avons plus de cas de diarrhée. Tout le monde a bien diarrhée. Donc, mais de toute la façon, nous avons pour nous travailler sur l'accès de l'eau, sur la qualité de l'eau. Donc, c'est ensemble. Jean nous t'étend de quelques députés te dire. C'est ensemble nous qu'a fait. C'est pas un seul secteur capable de travailler sur lui, mais tout secteur a pour nous travailler ensemble sur l'eau. Je rappelle l'antite nous t'ai développé avant nous mettre bout dans le journal là. Président République la Jovenel Moïse fait une visite et supervision à jeudi à dans Sonapi. Chef l'État annoncé à partir journée jeudi a gagné un lot chita palais gouvernement ak secteur concerné yo pral entamé pour réfléchir sur un pi bon gestion dossier salaire minimum lan. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mette bout jeudi 15 mars là ak mission li sous situation générale pays a et spécialement climat la paix. Pendant visite ça, Monsieur Lacroix chita parler avec président de la République la Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là.
Ministre Affaires étrangères à Kiltla, Antonio Rodrigue et ministre Haïti haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, Stéphanie Auguste, prononcé yo sous situation qui a développé dans le niveau pédernal et en chapitre entre haïtiens et dominicains. Autorité haïtienne yo en communication constante avec autorité dominicaine yo pour garantir sécurité, protéger, respecter droits compatriotes haïtiens d'après ça yo fait connaître. Dirigeant compagnie téléphone Natcom yo remet bay l'état haïtien yon chèque 79 millions 200 000 goud comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeant compagnie de dresser bilan financier pendant dernière année ça. Voilà, c'est la journal la bout pour jeudi a. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branché télévision nationale d'Haïti pour suivre votre programmation. Bonne journée tout le monde.